Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur les accessoires que j'ai utilisés et que j'ai mis dans la voiture juste après l'achat. Je les avais présentés très très rapidement dans ma vidéo de livraison, mais vous avez été nombreux soit en commentaire soit à m'écrire pour que je fasse une vidéo dédiée et que je m'arrête plus longuement sur tous les accessoires que j'ai mis sur la voiture. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Évidemment, j'essaierai de vous mettre tous les liens de tous les articles que j'ai utilisés et achetés dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez vous-même les acheter si jamais ils vous intéressent. Alors pour commencer, ça se voit pas, mais en fait j'ai mis une protection d'écran, parce que je voulais éviter les traces, les rayures, puis bon, ça coûte pas grand-chose, enfin suivant la protection que vous prenez, ça coûte pas grand-chose. Donc autant le faire, au moins vous protégez l'écran, sachant que c'est le seul outil pratiquement qui vous permet d'interagir avec la voiture, donc autant le protéger. J'ai pris une version qui n'était pas la moins chère, mais qui avait un cadre en fait qui se met autour de l'écran. Comme ça, on peut centrer directement la protection d'écran quand on les pose. Et ça, c'était super pratique. Donc je vous mets le lien dans la vidéo, hein. J'avais trouvé ça sur Amazon. Dans le premier, d'ailleurs, on voit que ma femme l'a déjà bien rempli. Donc j'avais mis en fait un organiseur, voilà. En fait, ça vient se mettre simplement dans la console là. Une fois que vous l'avez glissé, ça se glisse, vous pouvez le glisser. Donc ça vous laisse accès au fond de la console centrale et vous pouvez le ramener ensuite, voilà, en position initiale pour ranger vos accessoires. Pour moi, cet accessoire là de rangement dans la console centrale, c'est vraiment indispensable parce que le rangement d'origine est profond. Mais on a vite fait d'entasser des choses et de plus rien retrouver. Donc de le faire en deux parties, voilà, c'est vraiment top. Comme ça, on a accès à tout ce dont on a besoin, notamment la monnaie et les jetons et les fonds bleus. C'est là aussi qu'on met nos cartes de recharge, mais ça, je vous en parlerai plus tard, hein, parce qu'on a prévu, si jamais on tombe dans un endroit où il n'y a pas de superchargeur, on a de quoi recharger grâce à nos cartes de recharge, mais j'en ferai une autre vidéo. Pour continuer dans les rangements, donc sous la coudoir centrale, pareil, j'ai mis un organiseur. Voilà, donc il est déjà bien rempli aussi. Nous, dans la voiture, on utilise, hein, dès qu'on met quelque chose, voilà. Pareil, hein, si vous l'enlevez, vous avez accès à ce qu'il y a dessous, dans la console centrale. Voilà. Ça permet de ranger et de retrouver facilement les choses plutôt que de les perdre. Donc ça, là, les deux organisateurs pour la console centrale, pour moi, c'est vraiment indispensable dès l'achat de la voiture. Autre accessoire pour moi qui est indispensable, notamment pour les enfants, il y a deux prises USB-C à l'arrière de la Tesla et les enfants d'aujourd'hui sont très branchés smartphone. Donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai acheté en fait des embouts que je leur ai mis dans les poches arrière des fauteuils, comme ça ils peuvent se servir. Donc ce sont des embouts qui sont USB-C d'un côté, USB-A femelle de l'autre, comme ça ils peuvent les brancher là et brancher leur téléphone pour recharger. J'ai prévu exactement les mêmes embouts pour les branchements qui sont situés à l'avant de la voiture si jamais on a besoin. Mais ma femme et moi avons des smartphones qui se rechargent par induction, donc on peut utiliser la recharge par induction directement incluse dans la voiture. Pour ça, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, hein, pour les bruits de vent si jamais. Donc, un autre accessoire que nous avons acheté, ce dont je vous parlais, ce sont les tapis brodés que ma femme a pris sur tapisvoiture.fr, je crois, mais je vous mettrai le lien. Donc, nous avons décidé d'appeler la voiture Shelby. Du coup, elle a fait sigler directement les tapis au nom de la voiture. Voilà. Donc qualité, c'est vraiment top. Ils sont beaucoup plus épais que les tapis qui sont livrés d'origine, hein, même si les tapis d'origine sont déjà de très bonne qualité. Il y a également un tapis pour l'arrière, pareil, en même qualité. Vraiment très très épais, super bonne qualité. Le tapis avant passager est également de la même qualité. Il est siglé pareil, voilà, Shelby. Un accessoire que je trouvais moi pas forcément indispensable mais qui m'a convaincu une fois posé, ce sont les garnitures de bas de porte en bleu. Alors là, avec les reflets du soleil, ça ressort plutôt brillant, mais le rendu est vraiment magnifique. Pareil, c'est livré avec une version pour l'arrière de la voiture et le rendu est vraiment magnifique. Et pour que ça soit encore plus beau, on a pris les petites garnitures pour les fermetures de porte pour qu'il y ait un petit rappel de bleu. Et le rendu est vraiment super bon.
Autre chose que j'ai rajouté dès que j'ai eu la voiture, c'est les joints de porte optionnels. Alors c'est vraiment pas obligatoire, c'est optionnel. Je les ai trouvés sur, j'ai trouvé un pack sur Amazon ou AliExpress, je ne sais plus. Je crois que le pack complet pour les 4 portes m'est revenu à 25 euros. Et donc c'est un joint qui se pose à l'extérieur de la porte, vous voyez en bas là, en plus du joint livré d'origine par Tesla. Et ça a pour effet normalement d'insonoriser un petit peu mieux la voiture. Donc il y a également le joint pour les portes passagers et les portes arrière. J'ai pas posé le joint pour le coffre et pour le frein pour l'instant, sachant que je trouve que la voiture n'est pas particulièrement brillante. Puisqu'on en est à parler de joint, bah, j'ai également posé le joint pour le toit. Pareil, celui-là n'est pas vraiment obligatoire. Mais alors lui, je l'ai vraiment trouvé pas cher. Hein. Je crois que je l'ai payé moins d'une dizaine d'euros. Il n'était pas trop compliqué à poser. C'était un petit peu chiant parce que voilà, faut... quand on arrive au milieu du toit là pour l'insérer, c'est un petit peu plus compliqué. Si on prend un petit escabeau, à mon avis, c'est plus simple. Mais voilà. Pour ce qui est des jantes, ben, comme beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, j'ai enlevé les aero wheels et donc j'ai rajouté un petit cache-moyeu rouge au milieu là, qui a un rendu qui est vraiment super beau avec le gris de la voiture. Et le cache-moyeu, je l'ai pris en pack avec des cache-boulons en plastique. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un accessoire qui doit coûter 10-15 euros, pas grand-chose. Si vous voulez enlever les aero wheels, vous privez pas. Ça se trouve sur AliExpress, sur Amazon. Comme je vous l'ai dit, je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Ça mange pas de pain. Les petites pédales chromées qui vont bien. J'ai un petit peu galéré à les poser, notamment celle d'accélérateur qui m'a vraiment, vraiment, vraiment gonflé. Mais bon, j'y suis arrivé. Ça, par contre, c'est vraiment, faut pas s'en priver. Ça doit coûter une dizaine ou une quinzaine d'euros la paire, là, les deux. Et ça donne vraiment un petit côté premium à la voiture et ça serait dommage vraiment de s'en passer. Vraiment, ça fait partie des accessoires que je vous conseille d'acheter aussi dès l'achat de la voiture. Le son de la vidéo a coupé, donc on va continuer en voix off ce commentaire. Donc là, je vous expliquais qu'il fallait absolument vous équiper d'un tapis de protection pour le frunk, le coffre avant de la Tesla, qu'il fallait également vous équiper d'un tapis pour le coffre arrière de la Tesla. La qualité du frunk qu'on a commenté était plutôt bonne. Par contre, j'étais un petit peu déçu de la qualité du tapis de protection du coffre arrière. Cela dit, il nous a pas coûté grand-chose, 30 euros. Et ma foi, bah, il joue son rôle de protection. Autre accessoire indispensable, je trouve, c'est le petit séparateur à scratch qui vous permet de séparer la petite partie à l'arrière du coffre et d'en faire un rangement dédié. Et comme vous le voyez dans la vidéo, j'y ai rangé une bouteille de jus d'orange pour le week-end dernier que j'ai même oublié dans cette partie. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. C'est une petite présentation rapide des accessoires que j'ai mis directement quand j'ai acheté la voiture. Moi, je les trouve plutôt indispensables quand on fait l'acquisition de la Tesla Model 3. Le tout revient pas très cher. Hein. La seule chose qui est un petit peu coûteuse dans cette vidéo, ce sont les tapis de sol que Camille, ma femme, a achetés. Parce qu'ils sont vraiment de qualité premium et qu'elle les a fait broder. Je crois qu'elle a payé ça une centaine d'euros, mais à part les tapis, franchement, tout le reste des accessoires, ça serait dommage de s'en priver. C'est vraiment efficace, utile, notamment les rangements pour l'accoudoir central. Je reviens dessus, mais pour moi, ça fait vraiment partie des deux accessoires les plus indispensables. Le reste, vous prenez pas, c'est suivant votre usage de la voiture et suivant le look que vous voulez lui donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions si vous avez des questions sur la Tesla. Vous pouvez également me contacter si vous voulez qu'on se rencontre et qu'on fasse une vidéo de rencontre entre possesseur de Tesla ou possesseur de véhicules électriques. Il n'y a aucun souci, je suis ouvert à la discussion également. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.